protect the awesome. One for the party, two for the money. Coco, bonsoir mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une huile éclaircissante. Une huile qui va booster votre teint, qui va vous éclaircir de deux ou trois teintes en fonction de comment vous l'utilisez. C'est simple, hein? Pour faire cette huile, on aura besoin de plusieurs huiles de votre choix, ce que vous aurez chez vous. Moi, je prends Caro White, je prends Janet. C'est une huile, ce sont que des huiles éclaircissantes, tout ça. Je prends la Bijanaise. J'ai pris aussi deux jours propres. Et pour bien hydrater ma peau, pendant que je vais utiliser cette huile-là, je vais mettre de l'huile d'argan à l'intérieur. L'huile d'argan. Et puis j'ai aussi pris l'huile de Johnson parce que c'est une bonne huile. Elle est très hydratante. Bon. On va faire le tuto et puis on se retrouve tout à l'heure. Voici ce que j'ai obtenu après le mélange de toutes ces huiles-là. Comme vous l'avez constaté, j'ai utilisé une cuillère de chaque huile. Mais l'huile d'argan, j'ai utilisé deux cuillères parce que je voulais avoir quelque chose d'hydratant dans mon mélange. C'est pour ça que j'ai utilisé deux cuillères d'huile d'argan. Donc, si vous avez des huiles chez vous, que ce soit l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, vous utilisez ce que vous voulez. Les huiles éclaircissantes aussi, vous utilisez celles que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes choses que moi. Cette huile-là s'utilise le soir en alternance avec votre crème du soir. C'est-à-dire, si vous avez utilisé votre crème de soir le lundi, le mardi, vous utilisez cette huile-là. Vous allez voir qu'en près de un mois, vous allez gagner en teintes. Et sachez aussi que tout ne se fait pas sur un coup de balai, sur en même temps. Non, il faut prendre du temps. Quand tu veux prendre soin de ta peau, tu prends du temps pour que ta peau s'adapte à ce que tu es en train de lui donner. Sinon, si vous utilisez tout en même temps, ça va vous brûler la peau. Et aussi une chose, on n'utilise pas cette huile-là le matin parce que si tu utilises ça, que tu vas au soleil, ça va te brûler la peau. C'est une très bonne huile. Essayez et vous allez me donner des résultats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous, bye.